Salut, c'est Mogi. Salut, c'est Aspirateur. Donc on vous l'avait promis et c'est chose faite. Aujourd'hui, on va vous présenter donc notre test Resident Evil 5. Donc bah on a voulu jouer le jeu parce que normalement Capcom avait dit que pas avant le 9 mars. Donc on joue le jeu. Donc voilà, on le poste qu'aujourd'hui, donc pile poil le 9 mars. Donc qu'est-ce qui vaut ce jeu? Bah déjà on avait déjà fait nos premières impressions lors de la démo, donc vous pouvez, donc je vous reporte à cette vidéo pour de plus enfin informations, parce que notamment on parle de quelques petits détails il me semble sur Code Veronica, etc. Qui explique le pourquoi le jeu se déroule en Afrique, parce que dans Code Veronica, dans Resident Evil Code Veronica, on y parle, on fait part du virus Progenitor qui a été créé, enfin qui était, me semble créé à la base en Afrique. Et après, bon, bien entendu, après découle beaucoup de choses. Hein. Le scénario de cet épisode nous en apprend un peu plus sur les Plagas là, et notamment sur ce qui s'y passe là sur le continent en Afrique. Donc, Resident Evil 5. Beaucoup de gens qui avaient joué à la démo ont été un peu déçus. Déjà nous-mêmes, on trouve ça bien, mais il y avait un gros mais. On s'est dit, putain, ouais, c'est bien, mais c'est pas ouf. Alors, on l'a terminé. Donc déjà, d'emblée, on vous rassure, hein, donc on sait de quoi on parle, là. Donc on l'a terminé. Et le verdict, on va le voir au fur et à mesure. Donc, lorsqu'on commence, on joue Chris Redfield, donc qui revient quelques années plus tard, donc cette fois qui va rencontrer la jeune Sheva, en direct. On peut aussi voir dans cette cinématique les animations faciales qui sont ultimes, vraiment. C'est, de toute manière, oui, l'histoire en fait du jeu, déjà il y avait eu avant toutes les images qui faisaient flipper et tout, on voyait des tombes de Jill Valentine, tout ça c'est un des éléments très importants du jeu, donc tout ça au niveau du scénar vous allez tout apprendre. C'est le scénar, c'est pas un scénar de malade mental où tu te tortures la tête, mais c'est un scénar qui est très sympa, qui se laisse vraiment suivre, où évidemment on joue Chris, qui est appelé justement en Afrique pour aller voir un virus Umbroco, c'est un truc dans le style. Ouroboros, voilà, bravo. Donc, Ouroboros. Donc voilà, au début, il ne sait pas trop ce que c'est et tout. Et plus on va en apprendre, plus ça va devenir bizarre et tout, ça va devenir chelou. Et c'est donc ça laisse vraiment un scénar très sympa, où, qui se laisse suivre très facilement et qui... Oui, parce que vraiment, tout le scénario s'articule autour de Jill Valentine, parce que Chris, lui, son but, c'est de retrouver Jill, quoi, c'est qui est supposée morte, on ne sait pas du tout, en fait, ce qui s'est passé. Enfin, lui, dès le début, d'emblée, il se dit, je vais quand même être sûr, je vais vérifier ce qui s'y passe, machin, gna 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 gna. Enfin, on vous laisse, enfin, moi et l'aspirateur, on vous laisse volontairement dans le flou pour, bien entendu, pas trop spoiler. Donc on en apprend au fur et à mesure sur le ce virus. Il y a quelques personnages secondaires, notamment comme Josh, donc le copain Sheva, qui est stylé d'ailleurs. Ça, c'est un black stylé africain, ouais, qui fait un peu penser, enfin vite fait, ouais, un peu à Samuel L. Jackson, mais et qui est bien stylé d'ailleurs. Et puis d'autres personnages comme Irving, etc. Et bien entendu Wesker, hein, vu que de toute façon c'est pas un spoiler, vu que tous les trailers là, enfin tous les derniers trailers balançaient Wesker à tout va. Donc voilà, donc le jeu, on se passe en Afrique et le gameplay, c'est le gameplay du 4 amélioré, c'est-à-dire que c'est moins rigide, c'est beaucoup moins rigide que le 4. C'est-à-dire que cette fois on peut vraiment faire des passes sur le côté, etc. Enfin avancer en pouvant aller librement en diagonale à droite, etc. Enfin c'est beaucoup moins rigide que le 4, je veux dire. Parce que le 4 quand même proposait un gameplay assez rigide, même s'il était excellent. Là, malgré le fait que ça améliore la maniabilité du 4, ça reste quand même rigide vu que de l'eau a coulé sous les ponts, donc des gazofoires ou d'autres jeux sont passés par là. Donc ça reste un peu rigide, mais franchement rien de grave. Donc bien entendu, de l'aveu même des développeurs qui avaient annoncé qu'ils voulaient pas qu'on puisse tirer genre en marchant ou en courant. Enfin, ils se sont dit, comme ça pourra accentuer le stress des joueurs et tout. Donc c'est un choix délibéré, donc ça c'est discutable. Moi ça m'a pas trop perturbé, mais je sais que beaucoup de joueurs, ça les a saoulés dans la démo, de ne pas pouvoir courir ou marcher en tirant. Moi dans la démo ça m'avait gêné, parce qu'en fait la démo représente vraiment les passages du jeu où il y a le plus d'ennemis. Donc la démo ne représente en rien le jeu, quand on y joue ça a vraiment rien à voir.
Mais dans la démo, c'était assez gênant. Dans le jeu, ça l'est pas du tout parce qu'on finalement le gameplay, bon, on s'y fait largement. C'est un gameplay qui est très simple, surtout si on a fait le 4. C'est vraiment la même chose. Et sinon, au niveau de ce qui choque dès le début quand on lance le jeu, c'est les graphismes. Où là, on arrive vraiment next gen quoi. Enfin, et les muscles de Chris aussi. Ah, ils sont bien faits, putain. Bien musclés, hein. Bah, comme on l'avait dit dans la démo, putain, c'est l'effet Gears of War. Enfin, ils se sont dit. Les Japonais se sont dit, bah putain, on va comme le marché occidental c'est le plus porteur, bah, en ce moment on va leur faire plaisir parce que là-bas ils aiment les muscles. Et les Américains. Les Américains. Oui, donc voilà, donc on va faire un Chris Redfield bien musclé. D'ailleurs, dans la toute première image, il me semble, de Resident Evil 5, qui avait il y a quelques années de ça, on voyait au loin Chris 7 dans les milieux hostiles d'Afrique. On voyait une image où tu voyais un peu Chris et il était beaucoup moins musclé hein, quand même. Donc ils l'ont vraiment. Ils l'ont musclé au fil du temps du développement. Voilà, ils avaient fait un brainstorming, ils ont fait « Viens, on lui fait des muscles !» Ok, ouais, voilà, ça a marché. Autrement, au tout début de la vidéo, vous avez pu voir que je pouvais choisir entre jouer Shiva ou Chris, et ça, c'est un truc qu'on débloque en fait à la fin, quand on termine le jeu, on peut recommencer le jeu en choisissant le personnage avec lequel on joue. Et ça, c'est sympa, ça donne vraiment un aspect replay value très intéressant. Ouais, sinon pour revenir, d'ailleurs on voyait donc le jeu tout se base également sur la coopération entre Chris et Shiva. Donc Shiva est contrôlé par l'IA. C'est une bonne IA en soi, enfin comparé à d'autres intelligences artificielles de d'autres jeux vidéo, c'est une bonne IA, mais ça reste quand même bancal quoi. Enfin il y a quelques des fois elle est vraiment conne quoi. Enfin des fois ça arrive que bah, genre on l'appelle genre elle reste bloquée sur un mur. Alors ça n'arrive pas à chaque fois, encore heureux. Mais ce que je veux dire pas là, c'est que je pense que les programmeurs savent tout simplement, de manière générale. Hein. Je parle de tous les programmeurs en général, ils ne savent pas vraiment bien programmer une intelligence artificielle. Parce que là, je trouve qu'elle est bonne. Enfin, bonne par rapport à d'autres intelligences artificielles de coéquipiers, d'autres jeux. Mais ça reste quand même, c'est pas encore ça. Je pense que les développeurs de tout l'horizon aux jeux vidéo sont pas encore arrivés à faire des intelligences artificielles suffisamment convaincantes. Je parle bien entendu des coéquipiers, parce que pour ce qui est de l'intelligence artificielle des ennemis, c'est franchement bon, c'est déjà 10 fois mieux que Fear 2, qui avait là une intelligence artificielle bidon. Bah là, dans Resident Evil 5, franchement, ils sont assez convaincants. Hein. Mais déjà, dans Resident Evil 4, ils étaient assez bien intelligents, genre ça arrive que là, lorsqu'on leur tire dessus, bah on peut, genre ils peuvent esquiver, etc. Genre ils essayent de te reprendre à revers, c'est par un autre côté, etc. Et là, on a vu aussi qu'il y avait une femme. Donc c'est-à-dire qu'on peut tuer des femmes purement innocentes. Enfin, innocentes, non, c'est parce qu'elles sont contaminées, mais c'est assez troublant. Oui, ah oui, et il y a aussi les fameux Mexicains, comme on les appelle à la classe P, l'espèce de mecs que... les mecs qui ressemblent à Staline. Oui, ils ont des grosses moustaches, on dirait bien des clichés mexicains, ils sont très opérés. Oui, parce qu'ils ont été intégrés... parce qu'à la base, je crois qu'ils n'y étaient pas, c'est suite à la polémique de merde, là, sur le côté raciste du jeu. Que Capcom ont démenti parce que eux en fait ils voulaient juste faire un jeu dans le cadre africain, donc c'était normal qu'on tue des Africains. Et donc voilà. Et d'ailleurs, il y a pas 30 ans, donc là j'ouvre une petite parenthèse, j'avais lu sur un site anglais, t'avais un anthropologue qui parlait justement du jeu par Resident Evil 5, et justement pour lui Resident Evil 5 était un jeu anti-colonialiste vu que justement les Africains étaient présentés comme des victimes. C'est-à-dire qu'on... Parce que c'est finalement dans le jeu, dans le scénario, c'est eux les malheureuses victimes contre la multinationale de sale blanc de merde qui foutent la merde. Et donc, c'est donc finalement, c'est justement au contraire plus une critique par rapport à ça. Donc c'est vraiment... Quand on fait le scénario, et en plus ce qui est vrai, c'est vraiment ce qui ressort, parce que comme dans les autres Resident Evil, donc on apprend aussi pas mal de petits détails du background au fur et à mesure que l'on trouve des documents, donc comme dans les anciens, etc. Donc voilà. Voilà, par contre moi les documents ils m'éclatent les yeux quand je les lis, ils ont une sorte de couleur chelou qui à chaque fois m'a éclaté les yeux, c'était assez bizarre au niveau des documents, mais tout ça on en apprend plus. Autrement, un truc aussi que je voulais parler, ouais, c'était le gun, voilà, le gun. Il y a des guns dedans, ah, enfin. Heureusement, il y a des guns. Ah oui, justement, parce qu'il est bien orienté à action, encore plus le 4. Hein. Resident Evil 5, il est encore plus action. À la rigueur, le 4 était plus présenté comme un survival horror action, c'est-à-dire c'est clair que l'action primée à mort, tu vois, mais ça conservait un esprit... survival horror, etc. Et même si dans le 5, bon, parfois on est en galère de munitions, il est clairement beaucoup plus orienté action, notamment avec des scènes
avec les contaminés en moto et tout, qu'il faut éclater, etc. Mais justement, ça, c'est un truc fourbe du jeu, c'est qu'on croit toujours qu'on n'a plus de balles. Durant tout le jeu, on croit qu'on n'a plus de balles, on fait merde, il m'en reste que deux dans le chargeur et tout. Et il y a plein de mecs qui débarquent, on les défonce, on se dit merde, il me reste plus rien et tout. Et on va retrouver une salle avec plein de munitions. Et durant tout le jeu, ça va être un peu ça. Tout le temps, tu vas retrouver tout le temps des munitions et tu crois tout souvent que t'en as plus, mais en fait, t'en retrouveras forcément. Et ça, c'est un côté en fait qui te stresse durant le jeu et qui est assez bien foutu. Ouais, sinon, bah, pour en revenir vite fait sur le point graphique, donc effectivement, c'est, tu disais tout à l'heure. Ah, voilà! L'une des scènes qu'on voyait sur le net, enfin notamment d'où vous allez voir l'image, qui finalement, c'est où les gens ils disaient ah mais c'est peut-être Sherry Birkin plus tard et tout, plus vieille. Bon en fait non, mais bon ça ce n'est pas un spoiler parce que ça c'est le tout début du jeu, ouais, c'est la première heure du jeu. Voilà cette image là où on voyait Chris etc. Avec la jeune blonde, voilà celle-là. Dans les bras bah en fait non, c'est juste une fille qui n'a rien à voir. Donc sinon oui je voulais dire pour le point graphique, donc c'est extrêmement beau. C'est clair que quand t'avances parfois t'as vraiment l'impression de voir un véritable artwork. Lorsque t'évolues c'est vraiment extrêmement beau. Mais il y a quelques petits bémols, c'est-à-dire sur les tissus, enfin, c'est-à-dire lorsque tu te balades par exemple et que tu vois genre des draps, c'est qui sont, enfin c'est du linge qui sèche par exemple, bah c'est juste une texture plaquée, tu vois, foireuse et que tu ne peux pas bouger, tu vois. Donc ça, par contre, il y a quelques petites faiblesses techniques, tu vois. Un autre détail technique, c'est que les une fois que tu butes les ennemis, ils disparaissent dans un, enfin c'est une espèce de ouais, c'est genre un effet foireux. Ça c'est un peu déplorable, surtout qu'aujourd'hui on est habitué de voir des jeux beaux et tout. Donc effectivement, genre peut-être que c'était un compromis, tu vois, pour avoir droit à un jeu extrêmement beau, mais c'est quand même dommage. Enfin, en tant que joueur, on est quand même déçu de se dire putain, ils disparaissent ces ennemis. Donc c'est un petit détail con, mais qui fait un peu chier. Ouais, bon ça c'est un petit peu dommage. Donc ouais, graphiquement il y a des moments, enfin, où on est vraiment sur le cul. T'as des passages avec des effets de lumière, des trucs qui passent à travers des sortes de filtres et tout, qui c'est vraiment magnifique, où tu flippes, enfin c'est vraiment flippant des fois. Mais sinon au niveau du jeu en lui-même, quand on joue, déjà c'est pas comme dans le 4 où on avait l'impression toujours de faire une avancée constante. Là le jeu est subdivisé en chapitres où genre on arrive, qui eux-mêmes sont scindés en plusieurs parties. Voilà, donc on arrive par exemple, c'est vraiment le chapitre de la plateforme pétrolière, clac, let's go, fight. Voilà, c'est ça. Après, chapitre de la ruine aztèque qui est là depuis 10 milliards d'années. Enfin, go. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était déjà le cas dans le 4, mais sauf que là, en fait, là, c'est des chapitres subdivisés en plusieurs parties, genre chapitre 2-1, chapitre 2-2, et ça peut casser un peu le rythme. Voilà, donc ça, c'est un peu dommage. Aussi, on a perdu le vendeur pervers qui ouvre son imperméable en disant Welcome, stranger. Non, Welcome, stranger. Voilà. Et c'est le gars pervers qui devrait salut, je t'ai vendu truc. Ouais, bah lui on l'a perdu et en fait maintenant c'est à la fin de chaque chapitre on peut choisir d'upgrader ses armes ou d'acheter du nouveau matos. Donc ça aussi je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc avoir perdu le vendeur pervers c'est un peu con. Ouais, sinon bon bah là on sens le jeu un peu trop. Il est quand même pas mal de défauts. Donc c'est un très bon jeu. Donc nous notre verdict hein, c'est direct. Hein, c'est vraiment un excellent jeu. Mais on peut pas passer à côté outre des défauts, bon, mis à part les quelques lacunes techniques qu'on vous a énoncées tout à l'heure, il y a aussi, franchement, enfin, moi c'est le ressentiment que j'ai eu, c'est que c'est un Resident Evil 4 bis, hein. Enfin, quand on joue, parfois ça c'est même déplorable, enfin, c'est-à-dire, il y a carrément des fois, il y a même certaines situations qui sont copiées du 4, enfin, parfois c'est copié-collé du 4, donc c'est pour ça que le 5 est moins mémorable, parce que déjà, parce qu'il emprunte son gameplay au 4, en un peu moins rigide, mais en plus le fait qu'il y a vraiment, bon, on retrouve des mecs à la tronçonneuse, on se dit putain encore, il y a même plusieurs séquences qu'on pourra pas spoiler qui sont copiées-collées. On a vraiment, on voit que Capcom ont pas vraiment pris beaucoup de risques, hein. Eux, mis à part techniquement où le jeu a coûté cher, à côté de ça c'est pas ça quoi. Donc là on peut voir aussi le mode mercenaries, parce qu'une fois qu'on termine le jeu il y a le mode mercenaries. Ah, là oui, les mercenaires en français, les mercenaires, avec où on peut jouer plusieurs personnages. Donc dans le cas on peut jouer Chris ou d'autres, ou Sheva etc, ou Belmondo en Afrique, hein. Oui, donc c'est à l'instar de Resident Evil 3, sauf que là c'est un peu plus pauvre que Resident Evil 3, parce que ce que j'aimais bien dans Resident Evil 3, dans le mode mercenaire, c'est que à chaque fois qu'on butait les zombies, genre on gagnait des secondes. Bah là non, en fait là c'est juste un temps imparti, etc. Et sinon, durée de vie du jeu, c'est beaucoup beaucoup moins long que le 4, pour ceux qui s'en rappellent du 4, il était bien long, il durait entre, allez,
pour les plus rapides entre 15h et pour les plus longs, enfin parce que moi j'aime bien prendre mon temps, il dure une petite vingtaine d'heures, un peu moins. Bah celui-là il dure 10h. 10h, donc il est beaucoup plus court, même s'il se passe beaucoup de choses, etc. Ça reste beaucoup plus court. Donc l'intelligence artificielle aussi de Sheva, elle fait un peu chier de temps en temps, même si. Mais ce qui faisait des fois, c'est hyper frustrant. Hyper frustrant. Et on n'a pas pu jouer au mode online, hein, bah, bien entendu. Oui, mais le mode online, justement, avec la coopération, ça peut offrir une replay value de taré. Donc au final, vraiment un très très bon jeu, mais juste qui manque d'ambition.